Ça fait longtemps, dis donc. Attends, mais on est McFly et Calito ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression d'être McFly et Calito. Bienvenue dans notre nouveau décor, c'est moi McFly, voici Calito. Il est vrai qu'on a fait une pause pendant très longtemps. On a enfin un décor où effectivement, on peut se mouvoir. On peut bouger et surtout... T'as fait la danse pendant cette pause? Donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait dit on allait relancer la chaîne. On avait parlé plein de fois de oui, le décor est en train d'être construit, d'être fait, etc. Et ben c'est fait! Enfin c'est terminé! Qu'est-ce qu'on a changé? Alors moi déjà je vais à la salle. Je serai un tout petit peu plus musclé que dans les vidéos d'avant de Spring Gaming. On peut dire que j'ai un coach sportif également. Voilà pour faire du gaming! On revient pour parler fitness sur cette chaîne YouTube. On a tout changé, on s'est dit qu'on ne veut plus jouer assis. On va tout plager sur McFly et Carlito. Tiens, mettons-nous debout! Moi j'ai un peu moins de gaming sur ma chaîne et un peu moins de vidéos à plusieurs aussi sur ma chaîne. Il est vrai. Et on fait aussi pas mal de jeux vidéo, on va se faire des jeux de société, on fera une vidéo par semaine environ. Comme on relance tout, on relance aussi le nom. On repart from scratch. Ah oui, tu as raison. On s'est dit qu'est-ce qui serait bien comme nom. Comme on a plagié le concept du décor de McFly et Carlito, du coup on s'appelle McFly et Carlito également. Le fan spectacle. Ou alors Carlito et McFly, on sait pas. On avait pensé, et c'est là où vous intervenez, à des propositions de noms. Attention, vous avez le choix entre deux noms, c'est vous qui choisissez. C'est parti. Vous cliquez dans le lien, vous votez tout ça. Ok, attention, attention. Soit, attention, Cyprien Squeezie, soit Bigorneau et Coquillage. Ok. Soit. Attends, vraiment, on le tient? On le fait vraiment? Ah, mec, c'est chaud. C'est génial. Si les gens, génial. Si les gens ils votent. Bon, troisième choix. Viens, on le fait pour de vrai, s'il te plaît, c'est drôle. Cyprien Squeezie ou alors Bigorneau et Coquillage. C'est parti, on y va. Alors, on s'est dit, pour plaisir d'offrir, plaisir grandissant, on va aller revisionner finalement nos toutes premières vidéos. C'est parti. Cyprien, ça fait combien de temps que t'as pas tapé ça dans ta barre de recherche? Waouh, ça fait énorme, man. Et vous, combien de temps ça fait? Vous, c'est quoi? Les gens se disent, mais quelle est cette chose? Entre 1 et 2 ans? T'avais 8 ans déjà sur cette image en haut là. Inséré blague quelconque. C'était un pépé. J'ai jamais dit ça de ma vie. C'était un t-shirt Zara qui coûtait la somme de 9,80€ okay. C'est génial. C'est déjà Cyprien Gaming. Il y a pas Cyprien dans la dernière vidéo. Je ne suis pas dedans. C'était à Los Angeles. J'ai pas pu venir. Et c'était Jimmy Falcon Gaming. Gros délire à 4. Gros délire à 4. Gros délire, hein, sur Cyprien Gaming. Attention, elle se regarde déjà la toute première, il y a 4 ans. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. C'est pas mal. Tu veux la comédie? C'est quoi le loup là? C'est mal du tout. C'est génial. Mensonge. Des vidéos chaque semaine. C'est terminé depuis maintenant 9 mois. C'est des vidéos. La première vidéo, ils avaient déjà menti. Mensonge. Alors attends, viens, on va retracer un peu l'histoire. Au début, on voulait faire du gaming pur et dur. Donc, la première vidéo, il s'est dit, je fais une chaîne YouTube avec un mec. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le mettre dans la première vidéo et on va plutôt mettre Norman. En fait, j'étais là ce jour-là et je l'ai regardé jouer. Et cet homme-là sur l'écran en bas à droite a eu pitié de moi et il a dit, il me voyait comme ça, il a regardé, il a fait, vas-y, viens, Squeezie. Et du coup, je suis venu en étant le moins à l'aise possible. On te lâche tellement pas la manette. Enfin, c'est vraiment, on veut vraiment. T'as même pas de micro. Tu sais, c'est vraiment le mec qui s'incruste. Moi, je voulais faire du gaming avec plein de gens. Y a que Lucas qui était dispo tout le temps. Donc voilà. Attends. Introduction. C'est quelque chose ce mot? Oui. À l'époque, je faisais des petites intros, moi, des petits podcasts. Ouais, au début de mes vidéos gaming. Et c'est pour ça, je crois, que Cyprien s'était dit qu'il voulait me prendre moi pour la chaîne parce que je me mettais en avant IRL. Contrairement aux autres, tout ça à l'époque, le gaming, on voyait même pas les gens. Franchement, c'est pas tes intros qui ont convaincu le monde entier. Bah, pourtant, c'était drôle. Regarde, on met quelques extraits et vraiment, les gens vont rire, quoi. Des fois, quand t'es en cours, tout le monde se met à parler. Ce qui m'énerve, en fait, c'est que ce prof va toujours poser la même putain de question. Alors, en fait, j'étais en cours de français, donc forcément, tu te fais un petit peu chier. Ouais, donc du coup, après, on a un peu travaillé le truc quand même. Non, mais je voulais des intros au début parce que je voulais qu'on rajoute de l'humour, qu'on ait une petite dimension. On a totalement abandonné ça. Découverte des vieilles intros qu'on a abandonnées, c'est parti. Oh, je me souviens de celle-là, c'est la première intro. La dernière fois, j'ai croisé un mec qui appelait la chaîne Squeezie Gaming Cyprien Gaming. Ah oui, il y avait un délire. Insérez le délire ici. Squeezie, tu sais que tu parles à une statue depuis tout à l'heure. L'intro la plus gênante de l'histoire. En plus, mon t-shirt me fait une sorte de col en V dégueulasse, on voit mes poils, j'ai l'impression d'être... Je peux pas avoir ça, je peux pas avoir ça. Moi c'est le pire, mec. Vous connaissez pas la chanson, ça devrait y être. On avait les petits guests, hein, tu vois, le petit Mr. V, NBA 2K, tout ça. Il est si jeune aussi, putain. Ah non, il est pareil. On avait... J'avoue. Il est bien pareil. Par contre, moi, il y a eu une embrouille sur moi. Et personne n'a rien dit. Est-ce qu'on peut juste compter sur 15 vidéos combien il y a d'OP? On peut faire ça pour moi. Sur 15 vidéos OP. Last of Us, OP. NBA 2K, OP. Pas OP. OP. OP pour PlayStation. Battlefield 4, OP. Pas OP. Pas OP. Pas OP. Pas OP. Pas OP. 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 Une vidéo sur deux. L'aventure continue. Attends. J moins Battlefield 4. Ah, le premier court métrage de la chaîne. Premier gros projet de Cyprien Gaming. On ramène des guests, on fait un truc stylé avec une prod. Et qu'est-ce qu'on fait? On met pas Squeezie dedans. C'est vrai. J'ai pensé, c'est vrai.
Après, je suis pas dedans. Que mec, Emma, comment jouer la comédie? Heureusement que je m'as pas mis dedans, vieux. Ça a été pas nul en plus la vidéo en réalité. Ouais, vachement bien commencé. Là. Ah, Cyprien, qu'est-ce que tu fais? Attends, ouais. C'est lui en fait qui a inventé le A de Denis Brogniart. Ah, je me rappelle de Black Flag. Ça, c'est la première fois qu'on avait la PS4 en France. T'es ma dégaine, mec. On dirait que t'es un requin, quoi. T'sais, t'as. Toudou. On a tout, elle est trop mignonne! Elle est trop mimi! Alors juste on peut comparer le décor. Regardez, c'était deux plaques de plexi. On voit sur la droite, il y a un radiateur derrière une grille. Il y a une vieille Manda dégueulasse. C'est quand même plus stylé. On est mieux là. Ça Xbox, c'était vachement bien ça. Ah oui, deuxième court métrage. Premier court métrage dans lequel je suis. Attention, jugeons mon skill en acteur. C'était où? J'ai pris la manette et j'étais dans une voiture. Ok, donnez une note maintenant, c'est parti. Et juste après, on avait mis le top 10 des jeux de 2013, qui est la première musique qu'on faisait ensemble et la première musique de tous ces Cyprien Gaming. Et on a fait la suite il y a pas longtemps sur ta chaîne d'ailleurs. C'est vraiment un peu le laboratoire si on se disait, bah, il faut faire un jeu rageant, il faut faire une musique, un clip. À quel moment ces deux gars-là que vous voyez en face de vous, ils se disent, tiens, on va faire du rap quoi. Mais c'était marrant, franchement, et en plus les gens avaient gravé. Mais c'est mon Zelda préféré. Ah, tu t'en souviens? Donc là, ça continuait. Oh, il y avait Gotaga. Gotaga, regardez bien Gotaga. C'est si chou. On dirait une peluche. On dirait un Pokémon, mon gars. Je vais le capturer tout de suite. Une des vidéos que j'ai le plus kiffé, c'était Kinect Sports Rival. Ah oui, mec. C'est un jeu Kinect où on joue à des différents sports et on va les faire dans la vraie vie. Là, on fait du jet ski avec le corps, avec Kinect, le truc qui détecte. Et après, on s'est dit, tiens, on va faire du vrai jet ski. Et là, la séquence d'anthologie. Et ce qui est fou, ce qu'on a pas dit aux gens, c'est que en tombant dans l'eau, Cyprien il a perdu ses lunettes. Elles étaient dans l'eau et j'ai fait. Le premier truc que j'ai fait, c'est ça quoi. Sinon, et il les a attrapées, il a tellement jeté alors qu'elles auraient dû couler. Là, est-ce que c'est pas le plus gros dos de l'histoire? Je pense que les gens ils veulent un peu plus de coulisses, si je puis me permettre. Ils veulent un peu plus de coulisses quand même, donc c'est important d'en parler, faut pas qu'on oublie. Alors, mais mec, je profite, c'est trop bien. C'est notre studio. Du coup, Cyprien avait eu l'idée de faire un spectacle qui mélangeait jeux vidéo, un peu sketch, vidéo exclusive et surtout on était proche des gens et on avait fait le Casimir Show au Grand Rex. Le teaser que moi j'ai beaucoup aimé. Attends, non, ça c'était bien, c'est toi qui avais tout écrit d'ailleurs, c'était bien. Non, ça c'était bien. 2,2 millions d'abonnés et 150 millions de vues. Bon, c'est pas mal. Merci, merci. Les cheveux, pareil. Pourquoi t'as un immeuble sur la tête? Mec, je connaissais pas le coiffeur, je savais pas ce que c'était. Elle faisait bien cette vidéo, mec. Je suis content, je suis ému. Et là, on a fait les Sims versus la vie. Putain, mais 20 millions. Qui est l'un des rares sketchs Cyprien Gaming où j'avais écrit dessus. Et c'était sympa en vrai, ça. Dans les Sims. Bon, bah pour ce bien, on est sur du 700 000 euros, hein, frais de notaire compris. Voilà. En fait, il y avait un top mélange entre des blagues geek et tout. Mais on se la racontait pas non plus de ouf, tu sais. On mettait des perruques dégueulasses. Enfin, on voulait faire un truc un peu rigolo. Non, franchement, moi j'ai un trop bon souvenir de ce tournage et c'était la première fois que je tournais dans un studio où c'était que des faux décors, tout était monté pour la vidéo. Je pensais qu'on allait regarder des vidéos et on allait se foutre de notre gueule nous-mêmes tout le temps. Mais on est trop émus. En fait, on est trop émus. Franchement, on est trop émus. Il y a des trucs donc que je trouve vraiment trop cool. Moi, puisque c'est le moment émotion, Cyprien. Tu voulais mettre une patate, j'ai pas appris. Il voulait mettre une patate, c'est incroyable. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses et ça m'a permis derrière. Son travail et tout. Ouais, et ça m'a permis même te connaître toi qui est plus vieux et plus pro et plus talentueux. Ça m'a appris énormément de trucs pour moi, ma chaîne perso, comment gérer mes vidéos, comment me gérer moi-même surtout. Et ça m'a trop aidé et du coup, je peux être que ému de voir ça parce que chaque vidéo qu'on voit là, de la pire à la meilleure, c'était une petite leçon pour moi. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. On arrive sur la vidéo la plus vue de Cyprien Gaming. Alors cette vidéo... Mec, j'essaie d'être crédible dans mes musiques en ce moment. C'est dur. C'est contre-productif, là, vraiment. Là, j'avoue, ça a été un peu tourné, enregistré, écrit en un temps record. Et le flow... Yann, ça va encore. Je rentre sans effraction, on appelle ça la classe. On n'est pas tous des bons, mais moi, je suis le roi du passe-passe. Franchement, si Yann, il faisait tout le son, c'était grave bien. Ma poche se met à vibrer, SMS des parents. On est parti plus tôt, on est là dans une heure, bisous. Il était super beau ce clip, il était tourné dans le même endroit que le film Babysitting. On avait rencontré le gamin du film d'ailleurs qui est dans le clip et que je porte à bout de bras parce que j'ai très peu de force, attention vous allez voir. Regarde, tu là, portes, tentative. Et là t'es, oh, t'as mal. Tentative et ensuite, ah ok, on va juste faire je ça. Je le repose, ouais, on le voit qu'il est déjà dans le mal. Quoi. Ah putain, mais voilà le bon Squeezie à Los Angeles. Donc anecdote, j'ai raté le 3 deux fois d'affilée, j'étais dégoûté. Ouais. Donc je peux enfin aller à l'E3. Je suis tout content. Cyprien était content pour moi. Je me souviens que t'avais le smile pour moi. Et du coup, on a fait une vidéo qui s'appelait Squeezie à Los Angeles parce que enfin j'arrivais à Los Angeles et j'étais jamais allé aux États-Unis. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis. C'était avec Cyprien, Jimmy et tout pour l'E3. Et la vanne de début de vidéo était marrante. Alors, cette maison, Justin Bieber a vécu dedans pendant un an et il s'est fait virer parce qu'il faisait des soirées tous les soirs et qu'il y avait des montées de flics tous les soirs. Et là, on arrive au plan incriminé. Voilà, il me remet dans la valise, il me jette. Alors, cette valise coûte cher. C'est là, ma valise. Tu me monnaies à investir cette valise. Donc quand on la jette pour le sketch,
nous avons Laurent avec qui on travaille et qui dit je vais vous la récupérer en bas. Comme ça quand tu la jettes, plutôt qu'elle s'écrase au sol, moi je te la récupère, tu sais. Il y a 3 étages hein, quand même. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Pas du tout. Et donc Laurent réceptionne la valise sur sa clavicule qui cède immédiatement sous le poids de la valise. Il va ensuite à l'hôpital et on lui dit la clacla, elle est cassée la clacla. Gros big up à toi Laurent. Big up à toi Laurent. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah là là, le meilleur court-métrage sur Miami que Cyprien a écrit tout seul. Alors anecdote, regardez ce sol derrière. Maintenant regardez Hunger Games. Bim, on a tourné au même endroit. Mais non. Que Jennifer Lawrence. Pouya, je l'ai croisée dans les couloirs. À partir de maintenant, tout ce que je dis va être faux. Et vous savez quoi? Elle nous a reconnus. Elle a dit j'ai kiffé le court-métrage. Bon, tout cela est faux, mais en tout cas, on a tourné dans le même endroit où ils ont tourné Hunger Games. Je savais pas, tu vois, si j'avais su, j'aurais marché pieds nus. Mais non, je suis pas bizarre. Donc, je suis Bruce Wayne. Désolé pour le retard, j'ai terminé de la paperasse. C'est pas grave, Bruce, on profitait de ton manoir. Bon, tu l'avais écrit tout seul et c'est le meilleur qu'on ait fait sur Super Gaming, donc. C'est beaucoup! On arrive à un truc qui était ouf dans l'histoire de ma vie en tout cas. Regardez bien, on est avec quand même les créateurs de Mario, de Yoshi, Takeshi Tezuka, qui a du coup fait, qui a travaillé sur la licence Animal Crossing et tout ça. Et Shigeru Miyamoto, merci, qui a fait aussi une petite séquence dans mon court-métrage La Cartouche. Donc c'est incroyable. Et c'est entre autres grâce au jour où tu l'as rencontré, je me souviens, il y avait une histoire géniale, c'est que c'est très compliqué d'avoir un guest comme Shigeru Miyamoto, puisque c'est un gars qui est vraiment hype de fou. Et donc Cyprien avait pris ses balls, il était allé le voir en lui disant, écoute, tu fais un court-métrage, ça parle de deux gars qui kiffent les jeux, qui sont des gros geeks et j'aimerais bien. Et ils tombent sur le prototype du premier Mario et tout. Et c'est ce qui est fou, c'est que Shigeru t'a vraiment dit ok, on y va. Et il a trop bien joué jusqu'à. Je lui ai dit, c'est un court-métrage où on tombe sur le premier prototype du jeu Mario que vous auriez perdu. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est genre, tu veux que je joue comment? C'est génial. Vraiment? C'est génial. Je lui ai dit, bah, vous faites comme si vous l'avez vraiment perdu, qu'est-ce que vous aurez dit? Et il m'a dit, ah, je pense que j'aurais été triste si j'avais vraiment perdu le premier prototype, tu vois. On arrive au Squeezie Gaming Show. C'était drôle ce teaser, ça reprenait les persos. C'était même le même plan, c'est le même plan que plan du début. La première vidéo. Je voulais te parler. C'était tourné ici à Webedia. Tu sais, l'année dernière, on a fait un spectacle pour exploser ces dollars. Et ben, tu sais quoi? Le gif de quand on fait un high five ouais. Est assez connu. Ah, les tournois FIFA qu'on faisait chaque année, c'était rigolo. C'était pas mal. Moi, comme je suis nul, du coup, je le subissais un peu. Mais par contre, c'était des vrais moments parce qu'on avait plein de guests et les gens nous parlaient vachement. Enfin, les gens, ils voulaient vraiment savoir la suite et tout. Ok, attends. Regardez bien cette intro et je vais vous sortir une anecdote exceptionnelle. C'est le jour où j'ai vu le Cyprien le plus en bas de toute ma vie. Regardez bien. Suis-je tu tutotais? C'est bon, ça commence à bien faire. Fais un peu des efforts, là, tu vas te perdre. Tu continues. Ah oui, c'est vraiment ça. Alors, l'histoire, il y a une OP avec Disney Infinity pour le jeu. Cyprien, il s'est dit, ah bah c'est une OP donc il y a un peu de budget, donc on peut se payer une petite prod pour faire une intro sympa, comme vous venez de voir, avec un peu d'FX et tout. Spoil, on a galéré à faire ce truc là. Donc déjà le script, il y a eu 26 allers-retours entre ce qu'on voulait faire et ce que Disney disait bon c'est ok ou c'est... Non c'était pas Disney, c'était une agence, c'était même pas Disney. On arrive le jour du tournage, les costumes sont clairement pas ouf à la base. Cyprien lit le script qui avait été modifié en cachette. Genre ils avaient... Ouais le script. Attention! Regardez bien cette photo ici présente. La photo quand t'es assis et... En fait, j'avais plus d'énergie. Et dans sa tête, il y avait deux possibilités. Soit je tourne le truc, je vais au bout et je reste poli. Soit je me casse. Je t'ai jamais vu autant envie de partir. On tourne l'intro. On a réussi à modifier. Ouais, voilà. Oh, j'ai fait le forcing. J'ai fait non, ça va être ça. L'agence fait oui, mais non, on enlève ça. J'ai pris un marqueur et j'ai tout enlevé parce que c'était trop long. C'était ok. Présent, bref. Ensuite, on se pose pour tourner et la personne voulait qu'on mette les costumes pendant toute la vidéo. Et là, j'ai jamais vu Cyprien parler à quelqu'un d'une manière aussi cash. Cyprien, il la regarde et il fait écoute-moi bien. Fait ton métier c'est faire du marketing, mon métier c'est faire des vidéos. Est-ce que tu peux nous laisser? Merci, au revoir. Et moi, j'ai fait. Je dis ça. Et la meuf, elle allait voir Laurent. Le gars qui avait dit l'élopée, elle a fait il a pas très bien parlé là. Oh non, c'est vrai. Oh merde. Voilà, il y a toujours des petites anecdotes. Il y a toujours des anecdotes, c'est pour ça que je suis content de faire cette vidéo. Si je peux me permettre, on a fait pas mal de lives et c'est ça qui a créé le stream aussi en quelque sorte. C'est qu'on crée nous des live événements. Je vois marqué Best of Life Far Cry Primal. Ah ouais, ouais, ouais. En fait, on faisait pendant une heure ou deux, diffusé sur YouTube, un live où on découvre le jeu et tout. Et en fait, on a pris tellement goût à faire des lives. C'est comme ça qu'on s'est dit, bah tiens, il faudrait qu'on fasse du stream toute la journée. Et c'est comme ça que le stream.fr est né. Lego Star Wars. Deuxième année. Battlefield 1. Deuxième année, on va. For Honor. Putain, on a fait pas mal de vidéos, c'est trop cool. On arrive. Donc là, c'est à partir. Là, en fait, c'est ça, assez c'est récent, le tout récent. Ouais, c'est le plus récent. Toi, t'avais eu ton petit délire de quiz là récemment. T'avais fait un quiz Dragon Ball. Et c'est ça qui est bien pour toi. Tu peux faire des vidéos que tu peux pas faire sur ta chaîne, tu vois. Parce que les gens attendent autre chose. Ouais. Je suis super content d'avoir cet espace là, de faire ça aussi avec toi. Et moi, je suis content aussi. Vraiment, parce que je travaille trop longtemps sur les scripts, les scénarios, le montage, les effets spéciaux de toutes mes vidéos et tout. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir un espace beaucoup plus
simple. Du coup, je suis hyper content de relancer cette chaîne Yapai. Qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne cette année? Il y aura du jeu vidéo, bien évidemment. On est friand du jeu indé, j'en ai trouvé en plus. Des jeux en local. Oh, ça va être comme ça. Bon, très très bon. Alors, on va faire un sondage Twitter. Il faut cliquer sur le lien qui est dans la description. Ça vous amènera sur le tweet. Et là, il faut tout simplement choisir Big André Coquillage ou alors Cyprien Escousi. Vous choisissez. Et je vous promets, après, je vais pas vous influencer. On change. Mais. Faites ce que vous voulez. On change. Quoi qu'il arrive, peu importe lequel gagne. Merci Jean-Michel Squeezie. Ah yes. Mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous.